C'est fait, la zone euro donne son feu vert au second plan de sauvetage pour la Grèce. Après 12 heures de négociations intenses, les ministres des Finances de l'Eurogroupe se sont mis d'accord. Athènes va bénéficier d'une aide publique de 130 milliards d'euros en contrepartie d'efforts énormes avec plusieurs plans d'austérité pesant sur la population. L'aide à la Grèce doit garantir son maintien dans la zone euro, selon Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, qui a précisé que le plan de secours aux pays en difficulté allait être rapidement renforcé. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a précisé que le taux d'endettement de la Grèce sera ramené à environ 120,5% du PIB en 2020. Il y aura notamment un effacement de 107 milliards d'euros de dettes. Le secteur privé, les banques, a finalement accepté une décote de 53,5% sur la dette grecque au lieu des 50% prévus. L'annonce de cet accord a immédiatement fait bondir l'euro et les cours du pétrole sur les marchés financiers asiatiques. Les négociations se sont poursuivies toute la nuit. Ils ont vraiment négocié jusqu'au dernier centime d'euro. Maintenant, il faut voir si cet accord sera bien accepté dans les rues d'Athènes. Come questo accordo sarà accolto per le strade di Atene. Margherita Sforza, Euronews, Bruxelles.